Eh bien salut à tous et bienvenue mes chers amis gamers ou gamers, peu importe, j'espère que tout le monde va bien, j'espère surtout que vous pétez la forme et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la série de Call of Duty Black Ops Cold War. Aujourd'hui nous allons tout simplement débloquer le dernier camouflage sur la FFAR1, donc le camouflage florisier, donc je vais vous montrer ça tout de suite, qui est donc ici même dans Flore. Donc il nous reste quelques kills à faire, donc on va devoir éliminer 75 ennemis détectés, paralysés ou aveuglés par vos séries de points, équipements ou améliorations de combat. Alors j'ai pas voulu le faire en live tout simplement parce que je vais pas faire un live pour un camouflage sur une arme. Je me suis dit le prochain live que je ferai ça sera sur la Groza, donc ne vous inquiétez pas. Du coup on va faire une vidéo exclusivement pour ce camouflage là. Et d'ailleurs je tiens à vous remercier énormément pour votre soutien, vous êtes juste incroyable. On a monté pratiquement 50 abonnés en 28 jours, ça a été juste incroyable. Et les heures de visionnage également a été augmentées, on est monté à plus de 86%. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est juste énorme. Et également je vous remercie pour votre soutien, que ce soit par commentaire, que ce soit dans le chat, que ce soit dans les games quand vous venez avec moi et que ce soit sur Discord, et également avec vos pouces bleus parce que vos pouces bleus m'aident énormément sur YouTube, j'allais dire autre chose mais c'est sur YouTube. Et également grâce à tout ce soutien là, quand vous regardez mes replays, quand vous regardez mes lives, etc., eh bien ça fait monter les nombres d'heures de visionnage, et ça c'est très important parce que c'est ce qui va me permettre de débloquer prochainement le partenariat avec YouTube. Donc je vous remercie énormément mes chers amis pour votre soutien, c'est juste incroyable, et j'espère qu'on va continuer comme ça. L'objectif suivant, ça sera grâce à vos donations, de m'acheter une lampe de stream de chez Elgato qui se branche directement sur l'ordinateur si je dis pas de bêtises, où j'accroche ça sur mon bureau, je le mets en hauteur et je peux régler la luminosité, comme ça vous verrez beaucoup mieux mon visage, etc., et ça fera beaucoup plus professionnel. Voilà, sur ce mes chers amis c'est parti, on va partir en hardcore sur Nuketown. Donc c'est parti, let's go, on va tenter de débloquer ce fameux camouflage. Alors je vous cache pas que la FFAR1 c'est une arme que je déteste, pour moi c'est la pire des AR, voilà, pour moi c'est la pire des AR, cette arme pour moi c'est, je la comprends pas, honnêtement je la comprends vraiment pas, en fait à courte distance et mi-distance cette arme elle est bien, mais hop voilà parce que toi t'as ta musique. Mais par contre, à longue distance, je trouve que l'arme, elle est pas stable. Elle est vraiment pas stable de ouf. Pourtant, j'ai tenté de mettre des poignées, des choses comme ça. Vous savez, des fois, on prend la souris lorsqu'on tire en automatique. Il faut toujours redescendre un peu la souris pour pas que ton viseur lève trop. Pour qu'il soit stable. Et ça, c'est juste insane. Ça me fait péter un plomb. Et vous verrez dans les lives, dans les replays, etc., que j'ai fait avec cette arme. Vous verrez que parfois, je tire genre 2-3 balles sur l'adversaire et ça le tue pas. Et je me pose vraiment des questions, je me dis mais c'est quoi ce bordel quoi. Et du coup les gens en hardcore utilisent beaucoup les stimulants, parce que des fois ils se font toucher, mais ils peuvent utiliser le stimulant pour régénérer sa santé et revenir dans le fight. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises et c'est extrêmement chiant. Bon là ils ont pris des pauses par contre. Ouais voilà, ça ils ont pris des pauses les plus chiantes. On va essayer de les tuer. Ah là là, j'aurais pas dû recharger mon gun. Là, je pense que ça va être chiant. Essayer de voir s'il revient. Je pense qu'il va peut-être repique. On perd le point C. Ah, on a cassé les spawns. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Genre, l'arme quand tu tires, elle part en sucette totale. On perd le point
C'est bon, y'a plus personne. Il va rester dans son bat lui. Faut être sûr qu'il reste dans son bat. J'ai pas compris là. Il sort d'où lui? Je sais pas s'ils vont le tuer sur le pont B. Ça m'inquiète un petit peu, je vous cache pas. Sécurisation de Bravo. Bravo verrouillé. Aïe. Ok. Je crois qu'il était là. Avion espion ennemi en approche. Non? Plusieurs avions espions ennemis repérés. On perd Bravo. Bien joué. Non là vous voyez c'est l'exemple typique. J'ai tiré 2-3 balles et il n'est pas mort. En hauteur. Ah, ce genre de joueur. Ah, c'était ennemi, putain. Dans la tête. Temps de mission écoulé. L'avion espion quitte la zone des opérations. On perd le point B. Il était derrière la voiture, j'ai pas fait attention. Mi-temps. Sorry bro. Je sais pas si on a fait beaucoup de kills dans les fumigènes et tout, je me pose vraiment la question. La Mac 10 ça fait super mal. Changement de côté. Il a bien joué hein. Il a très bien joué l'allié. On a beaucoup de points d'avance, je pense que je vais essayer de rush dans leur camp. Sécuriser l'objectif.
pris l'avantage. Sécurisation d'Alpha. On prend le point B. L'ennemi contrôle Charlie. Point A sécurisé. Point B verrouillé. Comment il savait que j'étais là? What? J'ai pas compris. Avion de contre-espionnage ennemi dans les airs. Ce que je vois, c'est que le type qui est en blanc, il campe toujours la même position. Ils sont chiants. Ah oh là là, il y en avait un autre quoi. Là, ils vont camper sur les lignes. C'est terrible. On perd le point B. Non, j'ai touché, mais ça l'a pas suffi. Ils vont pas me laisser passer hein. Laisse-moi passer, que je fasse un carnage dans ton camp. Il est là. Contrôle Bravo. Bien joué. Ah mais il est toujours pas mort en fait le mec, depuis tout à l'heure il est sur la caisse là-bas. Ah l'enfoiré quoi. Ah il y en avait un autre. Putain, c'est incroyable. Il y en a, ils ont la ligne directe, hein. Sont verrouillés. Ah. Les
capitalistes se souviendront de cette défaite. Bon, on va regarder si on a avancé un petit peu, mais je sais pas si j'ai réussi à avancer. En fait, pour ce camouflage, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la game, je la tryhard vraiment à fond. Genre, je balance des fumigènes, j'essaie de courir dans la fumigène, de tirer dedans, faire des choses comme ça. Par exemple, quand j'ai mon drone, pareil, je rush à fond. Je fais même pas attention à mes adversaires, je rush à fond, j'essaye de voir si je peux faire 1, 2, 3 kills dans, avec mes drones pour débloquer ce camouflage. Excusez-moi. Bordel de merde. On va regarder, mais là, franchement, je pense que j'ai avancé un petit peu quand même. 63 sur 75, on avance un petit peu. Bon, c'est pas mal. Allez, on va continuer comme ça, tranquillement, on va réussir. Alors moi je le fais sur Nuketown parce que pour moi Nuketown c'est une carte qui est extrêmement petite. C'est là où on se rentre dedans le plus possible et c'est là où on fait un véritable carnage. C'est pour ça que certains défis je préfère partir sur Nuketown et d'autres je préfère partir sur les autres cartes. Voilà, c'est la simple et bonne raison pour laquelle vous me voyez souvent sur Nuketown 84. Qui c'est qui met de la musique là? Vous n'avez pas le droit de mettre de la musique. Oh, c'est nouveau ça. Ils ont rajouté du nouveau truc, je crois. Je crois que c'était la petite mise à jour qu'il y a eu hier au soir de 264 MO, je crois. On va les mute dans mon équipe parce que ça va être terrible sinon. Allez, je vais essayer de faire mon défi. C'est parti. Sécurisation du point C. Capturer l'objectif. Bah toi t'es mort. L'ennemi contrôle Alpha. Derrière mon dos. Ah, il y en avait un autre. Je crois qu'il y en avait un autre. Bravo sécurisé. Il a tué son coéquipier, c'est vraiment un crétin lui. Oh non, ils en spawnent de l'autre côté. Ouais, dommage. J'ai voulu tuer absolument les mecs qui étaient en haut, j'aurais pas dû, je pense, en vrai. Dommage. Oh, bien joué. Aïe aïe aïe. Pourtant j'avais le viseur. J'avais le viseur sur lui hein, mais... Oh bien joué.
Ah, je m'attendais pas. Ah, vous voyez, je mets deux balles, ça meurt pas quoi. Ça, c'est un truc qui me gave. Ils ont changé de spawn ? Aïe aïe aïe. Mi-temps. C'est dommage qu'on peut pas voir en fait dans la game où on en est dans les camouflages. Je pense pas qu'on peut. Attendez, je vais regarder si ça se trouve qu'on peut. Hein. Non, on peut pas, on peut voir que les accessoires. Allez, c'est parti. Emparez-vous des objectifs. On prend le point A. On a pris l'avantage. Radio espion ennemi en approche. Alpha sécurisé. L'ennemi a pris Charlie. Colis stratégique ennemi dans les airs. Rapport de situation. Frappe au napalm en approche. Non. Plusieurs avions espions ennemis repérés. What? Qu'est-ce qu'il faisait lui derrière? Ah là là. Avion espion ennemi dans les airs. Avion espion en stand-by. L'artillerie ennemie vous cible. Artillerie ennemie en approche. Mais incroyable pour... what, il met son artillerie ici lui. Avion espion déployé. On a visuel.
c'était une blague. Bon, c'est nimp. Ouais, mais les alliés cassent les spawns en fait. C'est les alliés qui cassent les spawns. Nombre de balles que je lui ai mis, vous avez vu ou pas? Avion espion ennemi dans les airs. On va la perdre la game. Sécurisation du point B. Avion espion ennemi en approche. Pour une rééducation immédiate. Appelle plein et attends tes ordres. Vostrod 1 à force terrestre soviétique. Transmission de données sur vol. Retour à la base. Espion ennemi en approche. Dommage. Je me suis pas mis assez derrière le panneau d'affichage, j'aurais dû bien me cacher derrière. Ouais, mais putain. Si je prends bien la décale, je tue mon allié au fait. Ciblage d'artillerie détecté. Frappe d'artillerie en approche. Honnêtement, je sais pas combien j'ai fait de kills pour le défi. Je me pose vraiment la question. Je dis en faire pas mal en vrai. Hein. Wow. Il a bien enchaîné, hein, c'était propre. Je pense qu'on n'est pas loin du compte là.
Allez, on va regarder ça tout de suite. Camouflage, flore. 68 sur 75. Allez, on y est presque, les amis. On a pratiquement terminé ce fameux camouflage. Et on va enfin pouvoir arrêter de jouer avec cette Pharin. Qui ressemble donc à un FAMAS des anciens Call of Duty. Mais c'est vraiment pas le FAMAS de Call of. Hein. Pour moi, franchement, le FAMAS de Call of est là. Et le phare est tout en bas, tu vois. Vraiment, pour moi, c'est le phare. Franchement, pour moi, c'est la pire des AR. Vraiment, c'est la pire des AR pour moi. Pour l'instant, je suis pas du tout convaincu de cette arme. Domination hardcore. L'ennemi contrôle le point A. Ah, shit. On prend le point B. Sécuriser l'objectif. Faut pas que je passe par là. Pourquoi je passe par là, moi? Charlie verrouillé. Je vais le tuer. L'ennemi contrôle Bravo. J'ai pas réussi à le tuer, alors attendez, j'ai reçu un message. Je vais vite le lire. Attendez, on va regarder ça après. Avion espion ennemi dans les airs. Ça, ça a l'air d'être compliqué, ils ont. Ah oh là là, ils ont les poses là. Ils nous dominent. Oh là là. Sécurisation d'Alpha. Ah oh là là, il est venu me chercher. Hein. Je peux rien faire. Non, t'as marché dessus. Maintenant ils savent qu'on est là, mec. Mais t'es débile. Aïe aïe aïe. On perd Charlie. Sécurisation de Bravo. Point A sécurisé. Ok, vas-y, prends pas tes balles, mec, c'est pas grave. L'ennemi contrôle Alpha. On perd le point B. Pas y arriver. Oh là là. L'ennemi a pris le point B. Oh les balles que j'ai mis, vous avez vu? C'est nimp, hein. Oh, je me dis qu'à l'aller sur la droite, il y aura personne, mais tiens.
Il y en a un ici, je crois, à droite. Avion espion ennemi en approche. Compliqué la game, hein. Toujours pas. Lancement d'un missile de croisière ennemi détecté. Colis stratégique ennemi en approche. Rapport de situation. Frappe au napalm en approche. Aïe aïe aïe, on s'est démonté hein. Changement de côté. Allez. Il me tarde vraiment de la terminer cette arme. Je vous le cache pas, j'en peux plus. On va essayer de gagner la game, on va essayer de rattraper. L'ennemi contrôle le point C. Rapport de situation. Frappe au napalm en approche. Arrière. Avion espion ennemi en approche. Ordre de mission prioritaire reçu. On n'arrivera jamais à avancer. Peut-être te calmer un peu. Je sais pas comment je vais réussir à avancer, je... C'est dingue, hein. Il y a toujours un mec qui veut le défendre, quoi. Combien
compliqué la game. Bon, arrête, 2 balles mec. J'ai vraiment pas de chance. Genre le mec il fait une glissade, on est 3, c'est moi qui tue. Oh, j'en peux plus. Que je termine ce défi, j'en peux plus. Parce qu'en soi, honnêtement, si je suis pas à l'objectif, je sais que je vais faire un bon score avec cette arme. Mais je vais tellement réussir à faire cet objectif pour la terminer, parce que j'en peux plus au fait de cette phare, que je me fais démonter. Mais je me fais démonter parce que je veux faire mon défi, je me fais démonter. Et c'est insane de voir ça, c'est chaud, c'est chaud. Mais bon, on va pas lâcher le morceau, moi je suis déterminé, hein, je vous garantis, hein, je vais pas tilt ou quoi que ce soit, je vais continuer, je veux le faire. Il m'en reste plus que 5 à faire, allez, 5 à faire, on le fait dans la même game, do it, c'est parti là. Let's go, on lâche pas le morceau, on va tout faire pour réussir. Ça fait 43 minutes que je suis sur ce défi. Ouais. Et bon, c'est comme ça, hein. Mais bon, j'y crois, juste do it. Il y en a, ils sont... Oh, wow. Ils sont relevés, il y en a. Hein. C'est moi ou c'est écrit 1000? Possible. Mec, il est déjà niveau 1000 sur Call of Duty. Il est sérieux? Il y a un truc là. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a un truc. Parce qu'en plus, c'est même pas. Il a même pas la tête comme ça le truc. Les airs.
Trafic ennemi en approche. Avion espion ennemi en approche. Ouais, je voyais rien. Prochaine fois, je te tue, mec. On va attendre que ça passe avec l'hélico et tout là, parce que... Il m'a tué. Mais il est sérieux, lui? Avion espion ennemi en approche. Il est sérieux, ce mec? Ils prennent tous mes kills. Ils ont pris tous mes kills, quoi. Retour à la base. Sécurisé. On a pris le contrôle. La Mac, elle est bien. L'allié qui était à côté de l'autre allié. L'allié aurait pu le tuer, ils sont passés côte à côte en mode bonjour. Et c'est même pas l'allié qui est passé côte à côte avec l'ennemi qui s'est fait tuer, c'était celui qui était à côté. C'est souvent comme ça sur Call of, c'est horrible ce genre de truc. Vraiment, c'est horrible. Ça m'arrive souvent de me faire tuer comme ça et c'est... C'est chiant, vraiment. Allez, plus que 2 kills à faire, mes chers amis, et on a terminé ce camouflage et on aura donc le phare en or. Donc c'est parti, on va se concentrer, on va tenter de réussir à faire ce fameux kill et j'espère qu'on va pouvoir réussir. Donc ça c'est les... Donc ça c'est le nouveau pack qu'ils ont rajouté, je crois. Je crois que c'est le nouveau pack qu'ils ont rajouté, mais je suis pas fan des packs, honnêtement. Je suis plus fan des saisons pass. Genre le saison pass pour moi il vaut le coup parce que ça nous donne pas mal de nouvelles choses. C'est un peu comme d'autres jeux comme Fortnite, etc. Et moi je trouve ça cool qu'ils aient mis un pass comme ça parce que voilà, ça nous donne l'opportunité d'avoir beaucoup d'opérateurs, quelques skins, etc., etc., quoi. T'es sûr. Et là le pire c'est que soit il est en haut, soit il s'est fait déglinguer. Je doute. L'ennemi a pris le point B. Thank you.
Ah, il y en avait un deuxième. Avion espion ennemi dans les airs. Je sais pas s'il va être en haut. J'en ai marre. C'est n'importe quoi là. Non mais sérieux les mecs, il faut vous réveiller là. L'autre il allait nous tuer un coup de lance-roquette aussi. Non mais j'allais te le dire. Voilà, il y a encore derrière. Non mais les mecs Mais vous faites quoi? Mais tu fais quoi? Oh mon dieu. Ah, oh, j'ai envie d'abandonner. Là je vais tilt. Ah, oh, je vais tilt. Voilà. Rapport de situation. Rapport de l'appel, mon approche. Avion de contre-espionnage ennemi en approche. Avion espion ennemi dans les airs. Je sais pas où il était. Ouais mais j'aimerais bien faire mon défi quoi, tu vois, laissez-moi un peu tranquille quoi. C'est pas terminé. Regroupez-vous et renforcez la prochaine manche. Ouais, il est en train de tuer tout le monde. Passe sur les côtés au loin. Avion espion ennemi dans les airs. Mi-temps. Elle est pas mal cette arme aussi hein. Je la kiffe bien cette arme, la KSP 45 je crois. Je sais plus comment elle s'appelle, KSP 45 je crois. Elle est vraiment pas mal hein. Alors, on va prendre le point parce que là hein. Sécurisation du point B. Avion espion ennemi en approche.
derrière mon dos. Je sais pas si je vais réussir à faire mon défi honnêtement. Je vous cache pas que là je me fais démonter. Hein. Colis stratégique ennemi dans les airs. Je me fais spawn kill, je me fais littéralement démonter. Incroyable, il meurt pas hein. Avion de contre-espionnage ennemi dans les airs. Non pas. Avion espion ennemi en approche. On perd le droit. Avion espion ennemi en approche. On s'en parle, bravo. Tiens. C'est bon, je l'ai en or. C'est bon les amis, on est sauvés. Ah, je l'ai fini aux pompes. N'importe quoi. Non mais c'est nimp. Avion de contre-espionnage ennemi dans les airs. Avion espion ennemi en approche. On s'empare de Charlie. Colis stratégique ennemi dans les airs. Jusqu'à votre dernier souffle et saisissez la victoire. On perd Charlie. Eh ben franchement les amis, j'ai fait une game de merde, mais au moins le défi est accompli, donc je suis content, ça fait du bien, on va pouvoir passer à autre chose maintenant, ça c'est cool. Eh bien écoutez mes chers amis, sur ce on va se quitter là dessus, donc on a notre fameuse... Il a bien enchaîné.
Donc on a notre fameuse arme en or, donc c'est plutôt cool, enfin une bonne nouvelle. Cette phare 1, maintenant c'est terminé, je jouerai plus jamais avec cette arme, ça c'est clair et net. En tout cas voilà, donc on l'a eu en or, donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, de commenter pour dire ce que vous en pensez, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre les réseaux sociaux, notamment Discord, très important. Sur ce, moi je vous laisse là-dessus, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde. This is what I'll be wearing.